Une vidéo dédiée aux 200 abonnés. Donnez-moi des idées, pardon, dans les commentaires et dites-moi si ça vous intéresserait. Comme c'était pas prévu, j'ai pas pensé à une vidéo. Évidemment que j'en ai en tête, mais une vidéo spéciale 200 abonnés. Dites-moi si ça vous intéresserait ou alors pas du tout. Dans ce cas-là, je ferai mes vidéos normalement. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, dans cette vidéo, je vais tester le slow ASMR parce que je sais que j'ai tendance à faire du fast, à parler vite et à faire des gestes un peu rapides. Et je sais que certains d'entre vous préfèrent quand c'est un peu plus lent. Du coup, c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Je pense que ça va être très compliqué parce que là, pour moi, je parle déjà plus lentement. Mais je vais essayer de parler encore lentement dans cette vidéo. Je vais essayer aussi de parler plus fort parce que on me l'a aussi demandé. Du coup, je vais faire une pierre deux coups. Et c'est parti, je vous ai sélectionné quelques triggers que je vais essayer du coup de faire lentement. C'est pas gagné. Donc, c'est parti. Énormément d'être aussi nombreux pour la nouvelle année, c'est vraiment parfait. Je m'excuse si c'est pas assez lent pour certaines personnes, mais je vous assure que je fais du mieux que je peux. En plus, je n'ai pas d'ongles. C'est encore plus dur de faire du tapping. Cette vidéo fera plaisir à toutes les personnes qui m'ont demandé d'être un peu plus lente. Je pense que c'est le plus lent que je puisse faire. Et si jamais cette vidéo vous plaît, plus lentement, où je fais mes triggers un peu plus lentement aussi. Si ça vous plaît, dites-moi et pourquoi pas en faire un peu plus régulièrement. Même si je tiens quand même à vous dire que vous n'allez pas en retrouver beaucoup, beaucoup sur ma chaîne. Parce que déjà, ça me... Enfin, je suis hyper concentrée. Et que je préfère personnellement le fast. Slow. Mais si ça peut faire plaisir à certaines personnes, c'est avec plaisir. On va poser ça. J'ai récupéré des petits chocolats de Noël. Je trouve que ça fait un bruit intéressant.
C'est des trucs que j'aimerais bien essayer de faire. Je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, ça m'a fait penser à ça, j'ai prévu de refaire une vidéo dégustation. Je l'avais déjà tournée, mais le rendu me plaisait pas du tout. Du coup, je pense que je vais en retourner une autre. Parce que j'aime bien ce genre.
Je suis désolée si je ne parle pas trop, c'est que je suis concentrée. Essayez d'être le plus lente possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin d'année en espérant que 2021 sera mieux que 2020. Je pense pas que ça.
compagnie.